Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as ajouté le monde par ta sainte croix. La mère de Jésus ne se voit le pas la face. Elle sait qui il est. Le Fils bien-aimé du Père. Son Fils bien-aimé. Son unique. Elle connaît sa mission d'amour et l'accompagne jusqu'au bout. Il se regarde. Le visage vivant et lourd. Marie lui dit : Je suis avec toi toujours. J'ai confiance en toi. Lors des apparitions, Marie a consolé Bernadette par cette parole. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais en l'autre. Marie veut nous aider et nous consoler. Ô Notre-Dame du silence, le chemin de croix de Jésus est aussi le tien. Apprends-nous à dire oui à ta volonté. Père, j'ai confiance en toi, je suis avec toi. La pierre scelle le tombeau. Tout est fini. Pierre et les apôtres sont dans le désarroi et la confusion. Marie-Madeleine pleure. Marie garde les paroles et les promesses de Jésus dans son cœur. Elle entre dans le regard. Elle entre dans le grand silence de ce samedi. Jour de l'attente, jour de la confiance, Jésus demeure. Lorsque tout paraît fini, l'espérance dans les promesses de Jésus demeure. Lorsque nos cœurs sont brisés et broyés, lorsque le désespoir nous menace, nous te supplions, Jésus, mets en nous une semence d'espérance. Jésus, dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir avec à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Parce que Jésus s'est anéanti,
Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père.